bébé. En pas du temps. Baby girl. You know. Oh. Lundi. Tom, un enfant du pays qui a pris son envol il y a maintenant quelques années. Artiste, MC, manager, agent de sécurité, ses casquettes sont nombreuses et tout aussi variées. Nous avons profité de son passage en Martinique ce week-end pour le rencontrer. Je suis né à Paris, mes parents sont martiniquais et j'ai aussi de la famille en Guadeloupe. J'ai fait toute mon enfance à Trinel. J'ai commencé la musique depuis l'âge de 15 ans. Mais c'était le hip-hop. On dansait justement sur la place du 22 mai, à l'époque de Sydney, MC Solar, tout ça. C'était le hip-hop, quoi. C'était le côté street art, et puis bon, il y avait certains sons qui étaient bien à l'époque, quoi. Et j'ai commencé aussi le théâtre. J'ai fait un petit peu de théâtre avec Jocelyne Regina à l'époque. On a commencé à faire un petit peu de théâtre, je sais, aux Unas, et aussi M. Laroux, qui était responsable du centre culturel de Trinel à l'époque. Voilà. Ça m'a donné le goût de la scène, et j'avais des amis qui organisaient des sons système à l'époque, et puis ça a été le tremplin. Et après, j'ai pris mon envol, direction Paris, pour passer ma formation dans la protection rapprochée, parce qu'on peut aimer la musique, mais il faut avoir aussi un salaire, parce que bon... On vient de la Caraïbe, on peut avoir une chance sur deux de vivre de la musique. Hein. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme en agent de protection rapprochée, l'APR. Et j'ai commencé à travailler pour les Poetic Lovers. Ça a été mes premiers vrais clients. Donc, j'étais attitré à Poetic Lovers. J'ai fait Ophélie Winter, Cameron Jazz. J'ai fait pas mal d'artistes. Après, je suis redescendu aux Antilles. Je suis resté une année pour essayer de faire une formation de sécurité pour les jeunes qui voulaient faire de la sécurité. Par la suite, j'ai dû arrêter parce que bon, on n'avait pas les fonds nécessaires pour former tout le monde et puis pour apprendre le vrai métier de la sécurité. Parce que la sécurité, ça ne veut pas dire on se met devant une porte et puis on dit qu'on est agent de sécurité. La sécurité, il faut déjà commencer par apprendre les textes de loi. Et après, il y a des positionnements, il y a des manières pour dire après qu'on fait de la sécurité. Quoi. J'ai continué la musique, j'ai fait six albums, donc je faisais la navette, Martinique-Paris. Et après, j'ai fait un titre qui a très bien fonctionné, et par rapport à ce titre-là, j'ai connu la Turquie, j'ai connu les pays du Maghreb comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, Oran. J'ai été chanté à Oran lors d'un festival. Je ne me considère pas comme chanteur, je me considère comme un ambianceur. Donc après, j'ai décidé de me mettre style MC, c'est-à-dire j'arrive avec mon DJ. Et donc par rapport à ce nouveau concept-là que j'ai fait, je tourne plus. Donc je vais très souvent au Japon, en Chine et en Thaïlande, en Australie. Parfois, de temps en temps, je vais au Brésil, à Sao Paulo. Aujourd'hui, je dirais plus que c'est une musique pour... J'ai pas encore trouvé le nom parce que c'est une musique assez particulière parce qu'il y a de l'ambiance, il y a du compas, il y a du zouk, c'est un mélange de tout. Moi, je dirais plus, c'est du Big Tom, voilà. Big Tom Naïma, Yaya ou Jatani. Ani l'amour n'est pas si on t'en s'agir. C'est pas qui, c'est où, c'est pas qui. Big Tom est aussi manager d'artistes musiciens. Dans la
Je m'occupe de Princesse Lover, qui est l'enfant du pays, celle qui véhicule aussi le zouk partout. Elle vit de la musique, c'est son métier, c'est sa passion. Et elle fait toute l'Afrique l'adore, toute l'Afrique est avec elle. Et c'est un plaisir pour moi parce que comme on va dire nous sommes frères et sœurs, spirituellement, nous sommes des frères et sœurs. Je lui apporte, pas le chant, parce que je ne suis pas un grand chanteur. Je lui apporte de la technique pour son business, plus pour l'aider. Parce qu'elle a été tellement abusée avant. Avant, elle était avec des producteurs, elle était avec des managers. Mais bon, on connaît déjà le milieu, c'était plus des véreux. Et je l'apporte plus, un petit peu plus de tranquillité pour son business. Et la confiance, surtout la confiance, parce que sans confiance, on ne peut pas fonctionner. Samedi 5 décembre, Princesse Lover était sur la scène du Grand Carbet au Parc Floral. Une apparition au pays, loin d'être passée inaperçue. Big Tom était en coulisses pour tout organiser. Retour à Tranel, le quartier où Big Tom a grandi, le quartier où il a commencé la musique aussi, comme dans le studio Grotte qu'il a créé avec ses amis. Abolition de l'esclavage mental. Abolition de l'esclavage mental. Depuis le début de l'utopie, peut-on dire être sincèrement sorti de la famine? Une idéologie, mais surhumaine, engendre des générations décadentes, ambivalentes. Nous sommes au studio Grotte chez Yfon, avec qui j'ai commencé la musique et son frère Sanson. C'était une bonne équipe. Jusqu'à maintenant, c'est toujours une bonne équipe parce qu'on a commencé par le live. Ici, comme tu as pu constater, il y a tous les instruments, la première matière qu'on a, tout ça pour faire. Mais avant, il y avait beaucoup de terre à retirer, quoi. Donc, il faut. C'est vous qui avez construit ce studio. Je me suis mis au combat.
Parce que je voyais qu'on avait déjà un potentiel musical. Et c'est là qu'on a mis. J'ai mis la main à la pâte. Je fais un peu de basse. Je fais un peu de clavier pour programmer. Même si Big Tom est souvent en déplacement, le studio Grotte reste un passage obligé et surtout nécessaire pour lui. De temps en temps, je travaille avec lui, mais comme il est hors du département, je suis souvent à l'étranger, donc c'est difficile pour qu'on puisse travailler. Mais dès que je viens, parfois très longtemps, on fait des petits bœufs, on fait des trucs. Il me donne des idées sur certains titres, je lui donne quelques idées parce qu'il produit aussi des artistes. Et donc voilà, quoi. C'est une famille. On peut être à des milliers et des milliers de kilomètres, mais on est obligé de retourner aux sources parce que c'est aux sources qu'on a commencé. C'est la racine, voilà. Donc à chaque fois, même si je suis à l'étranger, je fais un petit clin d'œil à mon quartier, un petit clin d'œil à mon pays que j'aime, mon île. Big Tom n'oublie ni d'où il vient, ni avec qui il a commencé. Nous sommes des frères de misère parce que nous avons galéré. Lui prenait son argent, ça veut dire on travaillait ensemble. C'est-à-dire tellement que ça fait très longtemps. Il travaillait on a commencé à travailler dans une usine. Il prenait son argent, il a investi. Son frère, il investissait sur sa batterie parce que son frère, c'est un batteur, son son. Et c'est l'amour, voilà, c'est l'amour de la musique et qui a fait que. La douce étant, c'est à où il réfléchit. Après ça, pour vous, c'est plus moins, faut vous voyager. Ayant voyé les mêmes pas qu'à faire, et plus hypocrisie. Il y a l'amour de mes amis d'enfance qui ont toujours été là, c'est-à-dire on a joué au foot, on a fait plein de trucs, donc c'est des amis. Quand je viens aux Antilles, je suis obligé, voilà, de passer, de venir dans mon quartier, et c'est pour ça que quand on me fait venir pour faire des prestations ici, je dis à l'organisateur, non, je ne veux pas d'hôtel, je préfère aller chez mes parents qui est à Trenel, parce que j'aime rester aux sources, la racine, voilà, ça me dit pas d'aller dans un hôtel, tout ça, je préfère rester ici, voilà, je me sens mieux. Un enfant du pays qui a trouvé sa voie.